Ouais, salut Chris, salut, salut. Bah, écoute, je voulais revenir un petit peu sur la croyance, sur la faculté de penser par soi-même, sur la respiration et ce genre de choses. En fait, ça, je crois que tout commence par l'énergie. Donc si tu as un niveau énergétique suffisant, tu peux te libérer de la conscience collective. Pour avoir un niveau d'énergie suffisant, en fait, il faut éviter d'en perdre tout le temps de l'énergie. Et par où on perd notre énergie? Et bien on perd notre énergie par nos sens, par ce qui attire notre œil, notre oreille. Voilà, donc déjà colmater un petit peu les différentes fuites à ce niveau-là. Et puis après, ben, regagner de l'énergie, c'est-à-dire on peut en récupérer beaucoup par la respiration consciente. Avec des gestes associés à la respiration, en fait. Ça marche vachement. C'est très, très efficace. Voilà. Donc, récupérer un niveau d'énergie correct, quoi. Et à partir de là, on est beaucoup moins manipulable. Donc, ça, c'est la base, en fait. Carlos Castaneda disait que le corps humain était un petit peu comme un vase. Il y a de l'énergie constamment qui se déverse dans ce vase, mais le vase il est fissuré de partout et il fuit dans tous les sens. Et l'être humain il vit avec très très peu d'énergie en fait. Tu vois, un petit peu de façon similaire à comment dire, un peu de la façon similaire que ah, il m'a coupé lui. Que les 3% du cerveau utilisé, tu vois, ce genre de délire, quoi. Donc voilà le truc, en fait. Donc éviter les fuites, colmater les points de fuite, et puis augmenter l'énergie qui tombe dans le récipient. Et là, déjà, on commence à voir le monde un petit peu différemment. Voilà, c'était juste un petit ajout qui me semblait important, mais il y a tellement de, comment dire, c'est tellement une espèce de globalité comme ça, c'est une façon d'être qu'on nous a ôté, qu'on nous a enlevé en fait, parce que dès qu'on a été à l'école, on a commencé à nous dire tiens, on va faire de l'orthographe, on va faire des mathématiques, on va faire ci, on va faire ça, on nous a fragmenté dans notre façon de penser en séparant les matières déjà. Et du coup à faire de nous des individus collectifs incapables d'appréhender la vie dans sa globalité telle qu'elle doit être quoi. C'est, enfin, l'animal, d'un côté il n'y a pas je mange, de l'autre côté je survis, de l'autre côté il n'a pas différentes matières, il n'y a pas dans sa pensée différentes fragmentations. Donc voilà, c'est un espèce de tout comme ça. Donc ça passe par la respiration, par le corps, enfin par tout ce qu'on est, quoi, par tout ce qui constitue notre être, quoi, l'énergie, la respiration, la façon de penser, le filtrage de ses pensées, l'alimentation, l'hydratation, la drogue, l'alcool, enfin tout ce genre de trucs, quoi, ça fait une espèce de. Ça fait un tout, en fait. Et lorsque ce tout est respecté, eh ben. L'individu est largement capable d'être un individu et de s'extraire du collectif. Voilà. Bon, voilà. J'espère que ça a été un petit peu clair. Je sais, c'est très touffu, c'est très confus parce qu'en fait, je prépare rien, bien sûr, t'as remarqué. Et c'est ça qui me fait un peu triper aussi. C'est que je balance le truc. Et puis bon, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir, mais au moins, c'est du direct. Et c'est pas du réchauffé. Et puis bon. C'est de la vraie vie que je te balance en direct dans la gueule, quoi. Voilà, excuse-moi pour le. Bon bah écoute, sinon abonne-toi et puis je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Allez, ciao.